Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, lundi 3 octobre 2022. On est super content de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo sur le thème des jouets, des boîtes de jouets. Et aujourd'hui, on dédie cette vidéo à Georges-Pierre. Georges-Pierre, mon grand, cette vidéo, elle est pour toi. Donc, les boîtes de jouets, donc aujourd'hui Playmobil, les véhicules, donc qui s'inspirent vraiment des années 80 et 70, même, on va dire. Donc des boîtes neuves qu'on a commandées et reçues sur Amazon. Donc on va faire notre exposé en trois parties. D'abord, on va voir les véhicules mythiques des années 70-80. Ensuite, on va voir les véhicules des séries et films des années 80, en Playmobil bien sûr. Et enfin, on terminera avec les Porsche Playmobil, donc les véhicules Playmobil fabriqués sous licence Porsche. Là, il y a pas mal de choses à dire, exact. Il y a pas mal de choses à dire encore. Voilà. Donc on attaque. La première boîte. Boîte 70-921. La Mini Cooper. Donc, alors là, on est vraiment dans les années 70, dans le Londres des années 70, avec le look Carnaby Street, on pourrait dire, le Bobby avec son chapeau très particulier. Donc, toutes les boîtes qu'on vous présente, elles sont presque toutes les boîtes sont 5,99 ans, c'est-à-dire qu'elles s'adressent à des enfants pour jouer, mais également à des collectionneurs, comme nous, par exemple. Sauf que nous, on n'ouvre pas les boîtes, on les laisse en boîte. Les jouets, si vous voulez voir des unboxings, il y a des youtubeurs spécialisés qui font ça, qui ouvrent les boîtes. Nous, on garde tout tel quel. Voilà, donc Carnaby Street 1970, le yéyé avec sa copine, le dalmatien, la Mini Cooper avec le toit ouvrant, une boîte absolument superbe. On continue. Donc, le minibus, le combi Volkswagen 70-176, une très 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 belle boîte fabriquée, official licensed product, fabriquée sous licence Volkswagen, avec le baba cool des familles, sa copine en robe à fleurs, le barbu. Là, ça sent vraiment l'Ardèche et l'élevage de moutons. C'est vraiment sympa, très très belle boîte. Le combi Volkswagen, a priori, a son coffre qui s'ouvre à l'arrière, donc avec le moteur à l'arrière, particularité technique de ce véhicule. Le toit s'ouvre, et puis donc on a des sièges à carreaux typiques années 70, ça fait vraiment plaisir. Très 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 belle boîte, pareil, 5 ans, 99 ans, elle est très très belle. On continue. La Mercedes-Benz 300 SL, fabriquée sous licence Mercedes. La boîte 70-922, 5 à 99 ans. Donc là, on est vraiment 24 heures du Mans, Steve McQueen. Pareil, années 65-70. Très, 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 très belle boîte. Voilà. Très, très belle Mercedes avec les ailes papillons. Style DeLorean. Vraiment très belle boîte. On continue avec les Volkswagen Beetle Special Edition. Et la Volkswagen normale, voilà. Donc les deux sous fabriqués sous licence Volkswagen. Individual serial number on bottom of vehicle. Donc il y a un série, enfin c'est numéroté. Voilà, on a l'édition limitée et l'édition normale. La bleue et la jaune. Voilà, ça fait plaisir. Boîte 70-827 pour la jaune. Boîte 70-177 pour la bleue. C'est magnifique, c'est trop beau. Et ça fait plaisir. On continue notre revue et on attaque les séries et les jouets des années 80 qui nous ont fait rêver. Séries, cinéma. Donc on a la Ecto One de Ghostbusters, SOS Fantôme, la boîte 70-170. Elle est trop trop belle, voilà, complète avec tous les chasseurs de fantômes, les accessoires. Ecto One. Superbe, superbe réalisation de Playmobil. On continue avec Back to the Future, la John DeLorean Motor Company, DeLorean Motor Company, DMC, boîte 70-317. Back to the Future, avec donc les célèbres ailes papillons de la DeLorean. Et donc, juste pour information, sur Netflix, il y a une série sur John DeLorean, le fondateur et créateur de la mythique voiture, une série en 4 ou 5 exemplaires qui est absolument passionnante. Donc on vous envoie sur Netflix, sans vouloir faire de publicité, mais la série est juste extraordinaire et cette voiture est absolument extraordinaire aussi. Voilà, dans le thème Back to the Future, on a également le 4x4 qu'on voit à la fin,
avec Biff Tannen. Voilà, Marty McFly, Jennifer Parker, le 4x4, toit ouvrant avec la rampe de phare sur le toit, la boîte 70-633 de 5 à 99 ans, elle est juste trop belle. Voilà, avec le pick-up, avec le hayon arrière qui s'ouvre bien, l'arceau de sécurité. Back to the future. Et on continue notre présentation avec l'Aston Martin de Goldfinger 007, donc fabriqué sous licence Aston Martin. James Bond, Aston Martin, DB5 Goldfinger Edition, la boîte 70-578, avec toute la clique des personnages du film. Et donc tous les mécanismes qui ont fait le succès de cette voiture et de ce film, Goldfinger. Alors cette voiture, on l'a en double, donc on peut vous la présenter déballée. Et alors franchement, eh ben, je peux vous dire que c'est une voiture qui a toute sa place dans une vitrine ou sur une étagère. Elle n'a pas à rougir. La qualité de finition est absolument extraordinaire. Bon, les Playmobil sont les Playmobil, hein, on aime ou on n'aime pas. On aime ou on n'aime pas les personnages, mais la voiture en elle-même, la qualité est absolument superbe. Et voilà, dans une vitrine ou sur une étagère, dans un salon, ça n'a pas à rougir. Ça n'a pas à rougir. C'est pour tous les amateurs et les passionnés de voitures, elle tient la route, on pourrait dire. Elle tient la route. Voilà, on continue avec le fourgon de l'agence touriste. The He-Team, boîte 70-750. Superbe boîte, superbe fourgon avec Barracuda. Pas mal d'accessoires. Donc, a priori, il y a une bouteille de soudure, un poste de soudure, plusieurs accessoires pour exécuter leur mission. Voilà, The He-Team avec toute la bande, pareil. Looping, voilà, ils sont là-bas. Voilà, Hannibal, Barracuda, Faceman, Murdoch. La boîte est trop belle, boîte 70-750, The He-Team. Alors on voit qu'elle est déjà beaucoup plus grosse, beaucoup plus épaisse. Bah oui, c'est un fourgon, c'est pas une voiture. Et elle est vraiment trop belle. On continue avec Scooby-Doo. Scooby-Doo, The Mystery Machine. Donc boîte 70-286. Alors là, 5 à 12 ans. C'est vrai que là, le véhicule fait quand même beaucoup plus enfantin. Il est moins détaillé, les portières ne s'ouvrent pas, il y a beaucoup moins de choses, mais bon, voilà, pour un collectionneur tel que nous, bah, ça le fait. Scooby-Doo avec toute sa bande. Voilà, ouais, très belle boîte, oui. Alors les portières arrière s'ouvrent, a priori, le toit aussi, voilà. Ah, la portière latérale s'ouvre, ah, ça c'est une bonne chose, la portière latérale s'ouvre, ça peut être très sympa. Voilà. 70 pièces, 5 à 12 ans, boîte 70-286. Et on termine notre revue des boîtes des années 80, séries et cinéma, avec Kite de K2000. Superbe boîte, superbe véhicule. Michael Knight, Devon Miles, Bonnie Bartstow, boîte 70-924. Voilà, avec pareil, tous des effets lumineux. On met des piles et puis ça le fait. Très 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 belle boîte. Voilà. On attaque la dernière partie de notre présentation, les Porsche Playmobil. Les Porsche, les boîtes fabriquées sous licence Porsche. Et on commence avec ma préférée, la Porsche 911 GT3 Cup, boîte 92-25. Elle est juste splendide, avec énormément d'accessoires, un stand de ravitaillement pour changer les pneus, pour de mécanique rapide de course, le drapeau Porsche. Voilà, la Porsche 911 GT3 Cup, elle est juste splendide. Petite boîte, assez compacte, assez lourde même. Voilà, elle est très très belle. On continue avec la Porsche Macan S70-277, version pompier. Très très belle boîte. Voilà. On continue avec la Porsche 911 GT3 Cup,
Version. Alors c'est GT 3 Cup, mais vous voyez, c'est pas la même. Elle a une livrée qui est différente. Vous voyez, les publicités sont pas les mêmes. Là, on a Michelin Mobile, et là, on a Tag Heuer Mobile, et voilà, et Porsche. Boîte 70-764. Très très belle boîte. Enfin, la voiture de police Porsche 911 Carrera 4S, 4 ans et plus, boîte 70-066. Superbe, superbe. Voilà, donc les policiers allemands, ben, ils ont de la chance. Ils roulent en Porsche, comme vous l'aurez compris. Ils roulent en Porsche, les policiers allemands. Elle est très très belle. Il n'y a pas à dire, elle est très très belle. Très belle boîte. Et enfin, on termine avec la Porsche télécommandée. Boîte 70-765. 5 à 99 ans. Donc, c'est la Porsche du film Playmobil. Et elle est télécommandée, donc avec un module de commande qui permet de la faire rouler, et elle roule assez vite. Il ne faut pas faire ça dans une chambre, il faut aller plutôt dans une allée goudronnée, quelque chose où vraiment on a de la place pour la laisser bien s'exprimer. Voilà, avec pas mal d'accessoires, une borne. Ah oui, c'est une Porsche électrique, donc il y a une recharge électrique, le toit est amovible, et je crois qu'il y a une tablette, ouais, c'est ça, il y a une tablette, il y a un ordinateur, il y a l'ordinateur. Voilà. Eh bien écoutez, on est super content de vous avoir présenté cette gamme de véhicules Playmobil. On espère que ça vous a plu. Nous, on était vraiment enchantés de vous présenter cette passion qu'on a de collection de véhicules, quels qu'ils soient. Donc bah, Playmobil, on aime ou on n'aime pas. Bon, c'est vrai que les personnages sont particuliers, on aime ou on n'aime pas. Mais par contre, voilà, il faut reconnaître que les véhicules en eux-mêmes sont d'une qualité de finition et c'est impressionnant. Et ça fait vraiment juste plaisir. Voilà. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à commenter et on vous dit à très bientôt. Georges-Pierre, mon grand, on t'embrasse bien fort, travaille bien à l'école. À plus tard, ciao.